vous allez au Champ-Lac, vous avez 75 personnes en situation de handicap sur ce magasin. Donc les gens ne savent pas. Dans tous nos bâtiments, dans toutes nos entreprises, vous avez des gens en situation de handicap. Un handicapé est une personne avant tout, et surtout pas un handicap. L'Adaptathon Bordeaux, c'est une mise en avant de projets pour le maintien et la création d'emplois sur Bordeaux et notre région. On est déjà sur le troisième Adaptathon, il a commencé en 2017. Nous avons sorti nos 14 projets qui ont été tous réalisés, type Monsieur Roussel, carte à Roussel, de t-shirts, exosquelettes qui sont partis dans l'espace. Toute la partie mobilité de Bordeaux a été créée par un projet de l'Adaptathon. Des démons bleus, après l'accouchement d'un bébé, de permettre postpartum et d'aider les gens à reprendre le monde du travail. Émergence, une mise en œuvre de thérapie douce pour accompagner les gens atteints de la maladie de Parkinson. Amélioration, de par l'art, de remettre des gens dans le monde du travail. Tendons la main, où on prend les gens du début à la fin pour leur permettre de retrouver du travail. Adil DV, un projet un peu similaire, ça va des études, bac, post-bac, jusqu'à trouver du travail. Aliénor, c'est de faire en sorte que les chiens d'aveugle soient reconnus dans l'entreprise et que les gens puissent aller jusqu'au bout. Et puis Biorun, ce sont les jeunes avec les prothèses en 3D. Cette édition, c'était pour rendre hommage aussi à Joël, monsieur handicap, si on veut le schématiser. Mais avant tout, c'était un homme plein de charme, plein de générosité. Il ne plaignait pas l'handicapé, il mettait des moyens en œuvre pour que l'handicapé puisse vivre normalement. Ce soir, si on ne s'aperçoit pas que Joël Solari est une personne à part entière, on n'a pas compris le message qu'on a voulu passer. L'objectif aujourd'hui, c'est que nos partenaires restent avec nous pour qu'on puisse créer un adaptathon pérenne. Et puis l'ouverture de Nathalie Delattre sur le Sénat est quand même quelque chose d'important. Sur les trois éditions, on a eu beaucoup de partenaires, de donateurs. Nous, notre volonté aujourd'hui est d'avoir des donateurs pérennes dans le temps pour que notre opération puisse exister le plus longtemps possible. Et même si c'est facile, ça peut paraître facile d'avoir des projets, on a besoin de nouveaux projets régulièrement pour que ceux-ci, qu'on puisse les aider et leur apporter. Sans projet, l'Adaptathon n'existe pas.